Eh bien, je suis avec Olivier Hugard. Bonjour Olivier, merci d'avoir répondu aux sollicitations de Libre comme lire et de répondre à nos questions aujourd'hui. Vous êtes correspondant régional de l'ANLCI pour La Réunion, l'Association nationale pour la lutte contre l'illettrisme. Alors, est-ce qu'il y a une situation particulière de la lecture et de l'illettrisme en particulier à La Réunion? Bonjour Yann, merci de m'accueillir et de vous intéresser à la Réunion. Pour vous répondre, y a-t-il une situation particulière? Disons que on va commencer par parler chiffres. Nous avons une situation particulière puisque le taux d'illettrisme enregistré à la Réunion est supérieur à la moyenne nationale. Je rappelle que la moyenne nationale est de 7% de la population et que à la Réunion nous sommes à 22,6% de la population donc en situation d'illettrisme, ce qui représente 116 000 personnes. Donc oui, une situation dans laquelle eh bien l'illettrisme malheureusement voilà est une problématique que nous connaissons bien à La Réunion. Pour essayer de vous donner peut-être quelques précisions supplémentaires, une situation dans laquelle nous avons deux fois plus d'hommes en situation d'illettrisme que de femmes. Quelques éléments inquiétants, puisque 21% des jeunes de 16 à 29 ans sont considérés en situation d'illettrisme. Pourquoi est-ce que je dis chiffre inquiétant? Parce que bien, le risque, c'est plus les jeunes sont touchés, plus on va retrouver dans les autres étapes de la vie les difficultés. Et nous avons, comme au niveau national, je dirais, nous avons un enjeu de taille, puisque à La Réunion, 46% en fait, donc des adultes déclarent ne pas avoir ou avoir très peu en fait de compétences en informatique. Alors sachant que, juste pour nuancer mon propos, les éléments que je vous donne là sont des chiffres qui datent de 2011, donc assez peu récents, mais nous avons une grande chance puisque ces chiffres vont être réactualisés par une étude qui sera réalisée en fin d'année, en fait à La Réunion, une étude INSEE. Donc on voit une situation qui n'est pas très favorable. Comment peut-on expliquer cette situation à La Réunion? Disons que il y a quelques éléments qui font de notre situation une situation particulière. Et puis, on va en parler. Nous avons également des facteurs qui se retrouvent sur l'ensemble hein, du territoire national. Juste pour rappel, hein, la Réunion, c'est une petite île de l'océan Indien, donc située quand même à plus de 10 000 km de la métropole. Nous sommes juste à côté de Madagascar et de l'archipel de Mayotte. La Réunion, si je ne dis pas de bêtises, c'est le DOM le plus peuplé, donc le département d'outre-mer le plus peuplé, puisque nous sommes un peu plus de 800 000 habitants. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous bénéficions d'infrastructures, on va dire, tout à fait correctes, utilisables et modernes. Alors, les spécificités, ben, tout d'abord, comme je dirais tous les DOM, la Réunion a une spécificité historique, puisque la départementalisation de la Réunion s'est faite après-guerre. Et c'est donc cette départementalisation qui nous permet, enfin, qui nous a permis en fait, voilà, de pouvoir accéder évidemment aux mêmes moyens que la métropole. Situation géographique particulière, puisque la Réunion est une petite île, comme je vous le disais, mais très montagneuse. Donc forcément, ça va impliquer des difficultés dans les déplacements. Et certaines zones qui sont, je sais pas si je peux utiliser le terme de enclavé, mais en tous les cas assez reculé. Et on sait, hein, on connaît bien le lien qui peut être fait entre la ruralité, donc l'éloignement des centres urbains, et puis l'illettrisme. De la même manière, à La Réunion est une région qui connaît un taux de chômage assez élevé, donc plus important que la moyenne nationale, et un niveau de vie plus bas également que la moyenne nationale. Et de la même manière, on connaît le lien entre, on va dire, les conditions de vie, les accidents de la vie et l'illettrisme. Par contre,
Il est certain que nous sommes une région qui a connu ces dernières années un très très grand rattrapage, en particulier au niveau de l'équipement numérique, des connexions, de la couverture du territoire. Et puis, je terminerai par ce point-là. Comme tous les départements d'outre-mer, il y a une question qui se pose entre, alors sans vouloir être trop technique, mais on appelle ça l'allophonie. Vous savez que chez nous, à La Réunion, comme dans les autres, enfin, comme dans la majorité des autres DOM, nous avons des langues régionales très fortes qui sont encore beaucoup utilisées. Et donc, les spécialistes se posent la question, est-ce qu'il y a un lien entre les difficultés au niveau du français et puis l'utilisation voilà, de nos langues à nous locales, de notre créole. Sans vouloir rentrer hein, dans les débats d'experts, aujourd'hui, il n'y a pas de lien réellement établi. Et je ne citerai peut-être juste qu'un seul chiffre, mais au niveau national, 71% des personnes en situation d'illettrisme ne parlaient que le français à la maison. Oui. La question est posée, mais je ne suis pas sûr que voilà, le lien soit établi. Non, c'est une chose qu'on remarque dans beaucoup de régions. On a cru longtemps, étant breton, je peux en parler, que les langues régionales ralentissaient le développement d'apprentissage des langues. Et on sait aujourd'hui que c'est exactement l'inverse. En fait, plus on parle de langues et plus vous en parlez d'autres. Quels sont, donc on a vu aujourd'hui les freins au développement de la lecture, mais il y a certainement des raisons d'espérer que cette situation s'améliore. J'ai même envie de dire plus que des raisons, même très clairement à La Réunion, il y a une prise de conscience générale, en fait, de la problématique, de son importance. Et vraiment, la mise en œuvre, je vais vous donner peut-être quelques exemples, mais la mise en œuvre d'actions spécifiques et qui, en plus, s'appuie sur des moyens qui sont conséquents. C'est-à-dire que nous avons cette grande chance, alors comme d'autres régions, naturellement, hein, mais d'avoir, on va dire, l'ensemble des acteurs, en fait, qui maintenant sont impliqués dans la prévention et la lutte contre l'illettrisme. C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs nationaux, l'État, naturellement, je vais citer uniquement le plan d'investissement dans les compétences, par exemple, la stratégie de lutte contre la pauvreté, évidemment, des acteurs comme l'éducation nationale, qui est fortement, fortement engagée chez nous, la caisse d'allocation familiale. Pourquoi est-ce que je parle d'eux ? Parce que aujourd'hui, il y a un vrai lien et il y a un vrai levier. Nous en sommes convaincus pour ramener les parents vers la lecture. C'est ce que nous appelons les actions éducatives familiales, c'est-à-dire l'accompagnement des enfants en fait dans leur scolarité. Je ne vais pas tous les citer, hein, mea culpa, mais Pôle emploi, de la même manière, est très, très, très fortement engagé. L'armée, vous savez que dans les DOM, nous avons le régiment du service militaire adapté, également très actif. Les collectivités, avec la région Réunion et le conseil départemental, mais également, et c'est à noter, un fort engagement au niveau communal et intercommunal, une vraie prise de conscience. Et ce lien-là, ce rôle est très, très, très important. Hein. Je ne citerai par exemple que les CCAS, par exemple, les centres communaux d'action sociale, mais qui ont un rôle vraiment très, très important à jouer. Et puis, pour terminer, et c'est une chance fantastique pour notre territoire, nous avons l'ensemble de la société civile qui est impliquée, qui a décidé de s'emparer de la problématique. Et quand je parle de l'ensemble de la société civile, il y a bien évidemment le monde associatif. Vous allez échanger avec l'association Léar, que nous connaissons bien ici à La Réunion, mais on va retrouver d'autres structures type Croix-Rouge. Et puis, un tissu très important de petites associations. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais avec voilà, des bénévoles qui sont, on appelle ça entre guillemets, au pied des tours ou qui sont présentes dans les zones rurales et qui font un énorme travail d'accueil, d'accompagnement. Dans le domaine privé, on a également de nombreux organismes de formation qui ont décidé de qualifier encore plus leurs intervenants. Et donc, tout ça pour... Alors, je ne citerai qu'un exemple, hein, juste pour essayer de ne pas être trop, trop long, mais un exemple chez nous,
a été mis en chantier il y a quelques années maintenant, parce que c'est un très 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 long travail, un plan spécifique de prévention et de lutte contre l'illettrisme qui implique ben, l'ensemble des acteurs, plus ceux que j'ai oubliés, des acteurs que je viens de citer. On l'appelait, ce ne sera peut-être pas le nom définitif, hein, mais on l'appelait le plan 3I. Hein, donc pour vraiment le nommer, illettrisme, innumérisme et électronisme. Et donc c'est un plan sur plusieurs années qui définit en fait donc le rôle de chacun des acteurs dans cette prévention et dans cette lutte, et qui définit également, et ça c'est vraiment capital, capital, les modes de collaboration. C'est-à-dire que chacun à son niveau va être en capacité d'échanger avec les autres acteurs et toujours d'avancer, de progresser, on va dire ça comme ça, en confrontant les pratiques. Donc vraiment aujourd'hui, à La Réunion, nous sommes à l'aube, on va dire, d'une nouvelle ère, réellement à ce niveau-là. Eh bien, voilà, ce sont des signes encourageants. Merci Olivier pour ce panorama que vous nous avez dressé, et on espère que la situation se redressera rapidement et que tout le monde pourra bientôt profiter de la lecture. Merci. N'hésitez pas à revenir vers nous pour voir justement nos progrès. Et merci encore de bien avoir voulu vous intéresser à La Réunion. À très bientôt. Merci Olivier. Bonne journée.